Lévitique chapitre 18. Nous commençons le verset 1. To bani malonga liboso à 30. Kino na tukumisato. OK. Alamo. L'Éternel parla à Moïse. Yahweh alobaki na Mose. Et dit. Alobaki boye. Parlez aux enfants d'Israël. Lobela bana na Israël. Tu leur diras. Okoyebisa bango boye. Je suis l'Éternel votre Dieu. Naza Yahweh nzambe na bino. Vous ne ferez point ce qui se fait dans les pays d'Égypte. Bino bokosala te o ezali kosala mana mboka Egypto. Où vous avez habité. Oyo bozali kofanda. Vous ne ferez point ce qui s'est passé dans les pays de Canaan. Bino bokosala te o ebanali koleka na mboka ya Canaan. Je vous où je vous mène. Bisika ngana zeko mema bino. Vous ne suivrez point leur usage. Bokolanda te lo lenge na bango. Vous pratiquerez mes ordonnances. Boko sale la même ibeko nangai. Vous observerez mes lois. Boko tala pe mibeko nangai. Vous suivrez, vous les suivrez. Boko landa yango. Je suis l'Éternel votre Dieu. Nazaya wenzambe na bino. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. Boko landa mibeko pe mibeko nangai. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Moto ya kotiango na mosala akobika na ye moko. Je suis l'Éternel. Nazaya we. Ni de vous ne s'approchera de sa parenté. Pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Fille de ton père ou fille de ta mère. Née dans la maison ou hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils. Même de la fille de ta fille. Ya mwana mwasi o mwana mwasi abotite c'est ta nudité. Wana zali bolumbu na yo. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. Oko mona bolumbu ya mwasi ya papa na yo te. Né de ton père, c'est ta sœur. Oyo abote me tata na yo et pas tata na azan de kono mwasi. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. Oko mona bolumbu ya tata mwasi na ote. Tu n'as pas le droit de voir la nudité ou les cuisses de ta tante. Oza ma kogita omona mi pende ito bolumbu ya tata mwasi na ote. Ou cesse. Toma bele na ye. Tu n'as pas le droit de voir ça. Oza ma kogita omona ya ngote. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton de ta mère. Oko mona bolumbu ya mama lek to mama kulutu na ote. Car c'est la proche parenté de ta mère. Pourquoi ça y est ndeko ya pembeni ya mama na yo. Ta tante. Tata mwasi na yo. Ta tante maternelle. Mama leki na yo. Comme vous avez même âge. Donc wa mbula moko. Tu ne peux pas te laver avec elle. Okosu kwa longo na ete. Tu ne peux pas te laver avec elle. Okosu kwa na elongo. C'est une malédiction pour toi. Ezela ke mabepo na yo. Dit amen. Lo amen. Dit amen. Lo amen. Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père. Omona bolumbu. Que ce soit le cousin de ton père. Que ce soit le petit frère de ton père. Tu n'as pas le droit de voir même ses cuisses sous sa poitrine. C'est ta malédiction. Tu ne t'approcheras point de sa femme. La femme de ton frère. Tu n'as pas le droit de s'approcher. Même à côté d'elle, au bas nos simba simba, moi c'est un négro nanga, moi c'est un grand frère nanga, moi c'est la famille nabiso. Tu vois, on va la nia ou ne, on va la butu. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle fille. Okomona bolumbu ya moi si ya moi na naote. C'est la femme de ton fils. Azali moi si ya moi na na mobile. Tu ne découvriras point sa nudité. Okoti komona bolumbu naote. Comme les blancs. Donc à Mindele. Ils partent là-bas. Là-bas, à la plage. Kuna la plage. Ils sont restés nus. Et le père avec les sous-vêtements. Tata a dit kaleson. Maman aussi avec sous-vêtements. Maman kaleson. Son fils et sa femme aussi avec sous-vêtements. Sa fille avec son mari. La fille avec les strings. Comme un pasteur ici. Ici à Kalembele, Messi. Il a dit, vous,
Bino, vous avez l'argent. Vous, en bongo, vous n'amenez pas même les enfants à la piscine. C'est un sorcier. Azali, no, il est loka. En train d'en foutre ses enfants. Azako loka banaye. C'est la nudité de ton frère. Ezabo, lumbu, yande kona, tu ne découvriras point la nudité d'une femme. Ogo, mona, bo, lumbu, ambo, si, mo, kote. Et de sa fille. Père, moi, na, ya, moi, si, ba, omi, ba, le, ne, ba, kudia, ma, kudia, so, so. Voilà. Okoko, sa, yango, te. Donc si tu as fait ça, tu dois te repentir. Comme l'ancien chef de l'État de notre pays. Il a pris. L'une était officielle, l'autre là, c'était cache-cache. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils. Comme l'Allemagne, ils ont changé la loi. Toi-même, papa, tu peux te marier avec ta fille. Toi-même, tu peux, les cousins peuvent se marier avec ta fille. Papa, tu peux te marier avec la fille de ton fils. Papa, gobala, moana, oyo, ya moisi, moana, mbala, si elle accepte seulement, tu peux le marier. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils. Ni la fille de sa fille. Pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentés. La Bible dit c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Pour exciter une rivalité. En découvrant sa nudité à côté de ta femme. Pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle. Pour découvrir sa nudité. C'est pourquoi nous, les gens qui croient les messages, on ne peut pas toucher la femme pendant qu'elle est dans ces temps de règles. Là, c'est, on peut. Nous devons prêcher ces choses. Tu ne peux pas toucher une femme pendant qu'il a ce moment de règles. C'est la parole de Dieu. C'est ça le message à l'ancien monde. Tu n'auras point de commerce, tu n'auras pas de commerce avec la femme de ton prochain. Pour te suivre avec elle. Si tu as couché avec la femme de ton ami, c'est un crime que tu as fait. Comme les frères, même ces histoires, les histoires qu'on condamnait les gens de dénomination. Ah. C'est ça qu'on condamnait ça, non? Mais aujourd'hui, dans les messages, les amis travaillent ensemble. Il a commencé à sortir avec la femme. Vous n'avez pas entendu des pasteurs ici qui sortent avec les femmes de ces diacres, non? Vous n'avez pas écouté ça? Joue la malice. Est-ce qu'il croit à la Bible? Est-ce que premièrement il croit à la Bible? Est-ce qu'il croit à la Bible? Non, pasteur Nabiso. Oh, mon baptême Nabiso. Pasteur Nabiso, il prêche bien. Mon baptême terre à malam. On ne peut pas taxer l'esprit. Ici, ça. Ah ouais, ouais. Un pasteur qui sort avec la femme de son diacre. Pasteur, maintenant, moi, c'est un diacre. C'est un démon. Démon. Moi, cela me donne l'idée. Ils ont eu le fétiche qu'avait Mobutu. Bazouane, bah, qui sont Mobutu avec Nango? De coucher avec la femme de ses collaborateurs. Pour contrôler tous ses collaborateurs. Pour et vous allez me dire, notre pasteur a le Saint-Esprit. Quel est le Saint-Esprit? C'est pourquoi ils n'aiment pas qu'on prêche ces choses ici. Ils n'aiment pas. Les mystères. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les sacrifier à Moloch.
Même dans les messages aujourd'hui, des frères et des sœurs, ils ont des fétiches, non? Ils sont en train de sacrifier leurs femmes. Ils sont en train de sacrifier même les enfants. Dans les messages de Branham, les fétiches de la famille. Il y a du bota. C'est ce qu'on appelle ça quoi? Oh, Kodia. Kodia. Naya baloba un coco. Ah, un copo. Dans les messages ici, Katia Sango. Ils sont là. Bazawana. Paracétamol. Paracétamol. Azo, bakoma benga masanga paracétamol. Benga masanga paracétamol. Où sort Novalgine? De Novalgine. Comment se fait si Dieu t'a donné l'argent? Ne nous amène pas son beau. Il ne peut pas te protéger. Aroba telote. La puissance Nguya. Sans le caractère de la parole, Kozanga, ça vient du diable. Et où t'es pas Satana. Tu ne profaneras point le nom de l'Éternel ton Dieu. Oko, tout kakomba ya wenza mena ote. Je suis l'Éternel. Nadali yawe. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Oko, sa, ma, ramo, ba, pédete, yo, mo, bali. C'est une abomination. Ezali, kambuya, mbindo. Tu ne coucheras point avec une bête. Tu ne te sueras pas avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer en elle. C'est une abomination. Ne vous suez à aucun de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai de son iniquité. Le pays les rejettera, ses habitants. Vous observerez donc les lois et mes ordonnances. Vous ne connaîtrez aucune de ces abominations. Ni indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays. Qui ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous rejette. Si vous le souillez, comme aura rejeté les nations qui a été avant vous. Car tous ceux qui commettent l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun usage abominable qui se pratiquait avant vous. Ne vous en suirez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu bien-aimé, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Père. C'est toi qui avais parlé avec le grand prophète Moïse, Père. Tu as dit encore dans la parole que tu n'étais pas venu pour ôter la loi, mais tu es venu pour accomplir la loi. Dieu bien-aimé, Père, nous voulons vivre cette parole, Père. Viens nous aider, Seigneur. Bénis les âmes de tes enfants. Oh Dieu bien-aimé, bénis chaque âme, Seigneur. Viens nous nourrir ce matin, Père. J'ai prié ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. D'apambolabino. Que Dieu vous bénisse. D'apambolabino. Nous parlons de l'habillement. On peut effacer ici pour moi. Bon, effacer, wa. Dozo Bernard Itali Bilamba. Lorsque nous parlons de l'habillement, bilamba, nous devons parler aussi de la cinquième vision. Nous devons parler de l'Apocalypse chapitre 9. Que Dieu vous bénisse. D'apambolabino. Et nous devons comprendre ça. Et parce qu'en réalité, les habits que nous voyons aujourd'hui, les prophètes ont déjà prophétisé pour les habits que nous voyons aujourd'hui. Or, nous avons vu, selon l'histoire, avant 1900, la femme protégeait son corps. Personne n'exposait son corps. La femme vivait pour son mari.
Donc la femme vivait pour son mari. Et la femme ne dominait pas son mari. La femme était obéissante à son mari. La femme respectait son mari. Donc partout la femme aussi était honorée. Même dans les bus, on laissait la place à la femme. Même dans un endroit, si on voit une femme, on va laisser la femme occupe la place. Pourquoi? Parce que la femme était aussi dans sa place. Que Dieu vous bénisse. Peut-être tu vas te poser la question. Pourquoi le pasteur Philippe parle un peu de la révolution sexuelle? Pendant que nous on parle de l'habillement, pourquoi il parle de ces histoires-là? Il faut qu'il parle seulement des habits directement. Il faut que je commence ici. C'est là aussi que je suis en train de commencer. Parce qu'avant 1900, les femmes s'habillaient très bien. Jusqu'à ce que lorsque Alfred Kinsey lorsque Kinsey est venu, il a amené ses rapports. Il a convaincu tout le monde. Ils ont dit que non, on peut suivre maintenant les rapports de Kinsey. Et les femmes maintenant, elles se sont réjouies. Elles ont pris des décisions de marcher maintenant pour leur liberté. Elles ont marché. Elles ont demandé leurs droits. Et le monde a donné aux femmes leurs droits. En donnant les femmes leurs droits, elles sont en train d'accomplir d'autres écritures. C'est pourquoi je vous avais dit, après 1900, beaucoup de prophéties. Beaucoup de prophéties. Même l'Apocalypse chapitre 11. Que Dieu me donne le temps que je termine même à 11h. C'est ça mon souhait. Il y a un des que je termine aujourd'hui un peu à temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais je suis en train de parler des choses très importantes. Même l'Apocalypse chapitre 11. Déjà une partie. C'est accompli. Et c'est conquis, ami. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire ça. Apocalypse chapitre 11. Nous commençons le verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Vous connaissez les deux témoins, non? C'est Moïse et Élie. Ces deux témoins ici, c'est Moïse et Élie. Ils viendront après l'enlèvement. Écoutez. Revêtir des sacs. Pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du fait sort de leur bouche, dévorer leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe puis qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer de l'eau en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, suivez maintenant très bien, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Elle, écoutez maintenant ici, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours
et demi. Maintenant, une question. Comment ils verront leurs cadavres? Parce qu'on a dit toutes les langues. Cela veut dire Lingala, Lingala, Kizombo, Kizombo, toutes les langues. Swahili, Swahili, Luzulu, Luzulu, tout, toutes les langues. Tous les peuples verront leurs cadavres. Ils verront ça comment? Ils verront ça comment? Oh, il fallait que la quatrième vision, puisse s'accomplir pour que nous puissions avoir la télévision, nous puissions avoir l'internet, nous puissions avoir YouTube. C'est l'endroit où tout le monde est en train de voir l'actualité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons aujourd'hui la télévision. Je peux voir la guerre en Ukraine. Je peux voir la guerre de l'Ukraine. Même maintenant là, ce qui se passe maintenant là, je peux voir ça. Pourquoi la quatrième vision s'est accomplie? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Déjà une partie s'est déjà accomplie. Ce qui va permettre que les gens puissent voir leur mort, leur cadavre est déjà là. Nous avons déjà l'internet aujourd'hui qui nous aide à voir les histoires qui se passent au Brésil, les histoires qui se passent là-bas au Canada. Canada. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Toutes les langues. Aujourd'hui avec YouTube est en train d'interpréter toutes les langues. YouTube est en limbo encore. Donc tout le monde verra les cadavres. Toutes les langues. Tous les peuples. Donc une partie déjà. Déjà ici. Jean avait vu déjà la télévision. Jean avait vu déjà la télévision. Jean avait vu déjà l'internet. Jean. Johan. Oh, c'est pourquoi il faut monter. Et il faut monter dans des dimensions. J'aimerais voir des gens dans cette église. J'aimerais voir des Ézéchiel dans cette église. J'aimerais voir des Daniel dans cette église. Des hommes de dimension. Des hommes qui étaient là-haut. Des Paul. Des gens qui voient des choses qui vont arriver 2000 ans après. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il avait ouvert l'intelligence de Daniel, il va t'ouvrir aussi l'intelligence. C'est pourquoi il faut monter. Jean, monte ici. Jean, monte ici. Jean, monte ici. Nous devons monter dans les dimensions. Comme William Branham. Il était là tellement haut. Il a vu des choses. Même après la première guerre mondiale. Il a vu des choses. Après la deuxième guerre mondiale. Il a vu des choses. Pourquoi? Parce qu'il était tellement élevé. Il était tellement haut. Ézéchiel. Il était un homme de dimension. Il a vu les quatre êtres vivants. Oh my, je me sens bien. Amen. Je me sens très bien. Mes frères, j'ai la jalousie sainte. J'aimerais atteindre cette dimension de ces gens-là. De monter tellement haut. De voir des choses qui vont s'accomplir. Après même mon départ. Je me sens très bien. Un chrétien doit laisser les traces. Les hommes comme les Esaïe. Il a vu 66 visions. Qui a accompli même la Bible. Oh, je me sens bien. Je me sens très bien. Révoltez-vous, mes frères. Révoltez-vous, mes soeurs. Déjà, Jean, dans ces temps-là, il a vu déjà la télévision. Il a vu l'internet. Comment ici au Congo nous verrons Moïse et Élie là-bas à Jérusalem? C'est par la télévision. La TV. L'internet. Internet. Déjà une partie ici. Et déjà ma quoi, ouais. C'est accompli. Et c'est ami. Que je me sens bien. Nazora malam. Je me sens bien. Nazora malam. Vous voyez, après 1900. Comment c'est ma 1900? Beaucoup de prophéties. C'est accompli. Et même la première guerre mondiale. Guerre mondiale Jean avait vu ça. Yohana mona ki yango. Jean avait vu la première guerre mondiale. Apocalypse chapitre 7. Et moi c'est mon sambo. Oh, je me sens bien. Nazora malam. Est-ce que j'aurai le temps de prêcher? Dans un temps en terre. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Très fort pour notre Dieu.
Après cela, j'ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Il y retenait les quatre vents de la terre. Afin qu'il souffle point de vent sur la terre. Ni sur la mer. Ni aucun arbre. J'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux quatre anges qui avaient été donnés le fer du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué les sceaux des fronts des serviteurs de notre Dieu. Donc les quatre anges, ils étaient aux quatre coins de la terre. Grana me dit, les vents, ce sont des quais. Des vents, ce sont des quais. Et ces anges-là, lorsqu'ils soufflaient, il y avait la guerre. Il y avait la première guerre mondiale. Après 1900, l'épouse du Seigneur, l'épouse du Seigneur, réveillez-vous, préparez déjà vos lampes, préparez déjà vos lampes. Lorsque ces quatre anges soufflaient, il y avait la guerre. L'Allemagne était là, la Russie était là, les États-Unis étaient là, la France était là. Donc il y avait terrible. Un autre ange est venu. Retenez un peu. Arrêtez. Moi j'ai un travail à faire. Je dois sceller les serviteurs de notre Dieu. Là c'était pour les Juifs. Si vous descendez, il a vu encore, il était allé encore pour sceller des myriades et des myriades. C'est pourquoi moi je crois qu'au ciel nous serions des millions. Parce que les sceaux, cet ange est en train de mettre. Un homme dit, après la première guerre mondiale, le baptême au nom du Seigneur Jésus a été introduit. Et les gens ont commencé à recevoir les sceaux de Dieu. Je me sens bien. Cet ange-là est sur la terre. Il est en train de sceller. Il est en train de sceller. Jusqu'au dernier homme. Lorsqu'il va sceller la dernière brebis, la porte sera fermée. Nous allons quitter la terre. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Cet ange-là est sur la terre. Il est là sur la terre. Il a calmé tous les quatre vents. Il a dit, arrêtez un peu. Arrêtez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je vous dis, retenez ça. Après 1900, pendant que nous sommes ici, il y a des choses, des écritures qui sont en train de s'accomplir. C'est pourquoi, épouse, réveillez-vous. Si nous parlons, lorsque nous parlions des habits, nous devons parler de la cinquième vision. Nous devons parler de l'Apocalypse chapitre 9. L'habillement de la femme. Et là, moi. Nous devons parler de ça. Et nous devons toucher aussi la quatrième vision. La quatrième vision, c'est quoi? Qui peut me dire ça? La quatrième vision. Ok, frère Nathan. Attends la lingala. Ah, la science. La science va se développer. La science va se développer. C'est la science, la quatrième vision qui va aider maintenant la cinquième vision. Parce que la cinquième vision, ça la science, la cinquième vision ne peut pas s'accomplir. C'est la quatrième vision. Parce que la quatrième vision, c'est le développement de la science. La science va se développer. Donc la science va se développer. La science va entrer même dans les médicaments. La science va entrer même dans la nourriture. La science va intervenir dans tout. La science va intervenir dans tout. Mais cela maintenant va permettre à la cinquième vision. Je vais vous donner l'exemple. La science a intervenu sur même les médicaments.
La science a intervenu même sur la nourriture. Mais qu'est-ce que frère Branham a dit? Oh, je me sens bien. Est-ce que je peux commencer à prêcher? Je peux commencer à prêcher. Malamu. Oh, je me sens bien. Je me sens très bien. Je peux culbiter même maintenant. Je vois que Dieu a placé ces choses dans mon cœur. Des choses très précieuses. Il a caché ça au grand. Il a prié à Dieu. Il a révélé ça aux petits enfants. Oh, mes frères et sœurs. Il a caché ça au grand. Il a caché ça aux évêques. Mon Seigneur. Mais il a prié à Dieu. Il a donné ça aux petits enfants. Écoutez, Boka. La science, science a intervenu dans tous les domaines. A intervenu dans tous les domaines. Même pour la femme aujourd'hui. Même pour les hommes aujourd'hui. Mes frères et sœurs. Même pour l'habillement. Qu'est-ce qui va aider à la femme? Parce que d'autres femmes, elles disent. Il faut maintenant la mettre à tchafouin. C'est quoi? Ce n'est pas la science, non? On n'a pas équipe magique. Ah, équipe magique. Voilà. La science a intervenu. Science est contre. La science a intervenu. Science est contre Mamboua. Écoutez votre prophète. Donc la quatrième vision bon ami a aidé la cinquième vision. Bon ami on ne peut pas parler des habits sans parler de la quatrième vision. Bon ami sans parler de la cinquième vision. Bon ami sans parler de l'Apocalypse chapitre 9. Bon ami. Écoutez votre prophète. Bon ami. Mes frères et sœurs. Bon ami. On a écouté. On a écouté, mais lorsque Dieu a commencé de nous révéler ces choses, comment, qu'est-ce qui a poussé la femme de s'habiller comme elle s'habille aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle cherche? Je vous avais lu ces jours-là que la, frère Branham me dit, Dieu a créé les saints. Les saints de la femme pour allaiter qui? Les bébés. Dieu n'a pas créé les saints pour que la femme exhibe ça. Dieu n'a pas créé ça. Dieu a créé les saints pour allaiter les bébés. Ce n'est pas exposer ça les nations. Lorsque tu laves les assiettes, les saints, c'est quoi ça? La chair donc, ça se voit. Dieu n'a pas créé les saints pour ça. Oh, que Dieu me donne encore la force. Que je prêche encore. S'il tarde à enlever son épaule, que je prêche toujours ça. Quand on veut manipuler Dieu, on récolte seulement ce qu'on a injecté. L'homme devrait apprendre cela à travers la nature. Il a manipulé la nature. Il a injecté ses propres idées dans la nature en réorganisant les molécules et maintenant il récolte la tempête. Vous n'avez qu'à voir comment on a élevé les poulets. À force de les améliorer, on a obtenu des machines à pondre. Et les machines s'épuisent complètement. Et tes machines s'épuisent complètement. Et ces là, elles ne sont pas mangeables. Ils sont tellement mous. Ce n'est pas de la bonne nourriture. On a injecté des produits dans la viande. Que nous mangeons. Et ces produits amènent des transformations du corps humain. Les hanches de la femme s'amincissent. Donc la quatrième vision a déformé même les gens. Les histoires que nous mangeons, ça commence même, regardez la taille que la femme aujourd'hui. La taille. La taille. La hanche ici, petit. À l'aéroport là-bas. L'aéroport, lorsque je passe, tu vois même une fille là. Moi aussi. Là, ici, c'est hanche petit. Donc ici, on a passé. Oh, t'es...
Et Dieu nous aide. Vous aussi, les enfants de Dieu, vous faites ça en jupe. En jupe. Na jupe. Tu vois la sœur qui porte la jupe comme ça. Au monde, au moins cette jupe, ça dessine vraiment. Et dessine Benja. C'est quoi mon condo en bis? Là, qu'on ne comprenne pas ça. Wana tolobate. Nous prêchons les mystères, frère. Que Dieu révèle un peu votre pasteur. Votre pasteur, il est un peu en bas. Il faut qu'il monte, qu'il monte un peu. Non. Nous, on va commencer en bas. On commence en bas. Parce que la pyramide, pyramide, lorsqu'on monte, on ne monte pas la pyramide en haut. On descend premièrement. On descend. C'est là qu'on va trouver l'escalier. C'est là qu'on va trouver l'escalier. Et tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas chercher l'endroit à monter. Tu vas trouver ça. Mais si tu as monté, si tu as commencé à monter, tu ne vas pas trouver l'escalier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc la quatrième vision a aidé la cinquième vision. Et la quatrième vision a préparé le terrain pour accomplir beaucoup de prophéties. Même la septième vision, c'est la quatrième vision qui va faciliter la septième vision, qui va permettre que la technologie, aujourd'hui nous avons Satan de nous. Satan 2. Nous avons aussi l'avion, l'apocalypse. L'avion, l'apocalypse. C'est quoi? La quatrième vision. Qui est en train de préparer le terrain. Tout cela après 1900. Nous allons prendre les lieux d'adoration. Observez la folie chez les adolescents. Botala liboma et pas bano bazo banakokola. Eh bien, nous avons eu un, il n'a pas terminé. Je vous l'ai dit l'autre jour. On a fait passer un test. Là-bas dans les écoles de l'Arizona. Où j'habite. 90% des enfants scolarisés ont déjà des défiances mentales. Et que deviendront leurs enfants? Il ne peut pas y avoir une autre génération. Nous sommes à la fin. Jésus a dit que ces choses arriveraient. Regardez toutes les télévisions et autres mettant en scène ces histoires de la fiction. Je prédis qu'il arriverait un moment où les gens deviendront complètement et totalement fou. Le monde le sera. Mokili. Donc le monde entier sera des fous. La Bible parle de scènes hideuses. Ce qui se, comme c'est ce qu'il montre aujourd'hui dans les films. Quand l'affaire va s'ouvrir, que le diable sortira avec toutes ses affaires mystérieuses. Les femmes ou plutôt des sauterelles. Avec des cheveux comme ceux de la femme. Avant d'arriver là, je vais expliquer un peu la femme. Pourquoi frère Branham dit que le monde sera dans la folie? Tout le monde entier sera totalement, complètement défou. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Donc, nous venons de lire avec vous Lévitique chapitre 18. Dieu a interdit de voir la nudité de cousins, cousines, papa, maman et tout consort. Il a interdit ça. Mais Alfred Kinsey est venu. Il a dit, pour ne pas avoir de violence sexuelle, il faut libérer toutes ces histoires. Et les femmes et les hommes puissent donc être là, ni même sous-vêtement. J'ai fait des recherches. Il y a un Allemand qui a fait les titres. Il a pris 40 garçons. Il a placé
placé 40 ici. Il a placé 40 de ce côté-là. Pendant 3 mois. Chaque jour, ils sont en train de regarder les films de guerre. De l'autre côté ici. Ici, on regardait les films de guerre. Des films de se battre. D'autres documentaires. De l'autre côté ici, 40. Et il regardait chaque jour les films pornographiques. Film pornographique chaque jour. Lorsqu'il a, disons, terminé, il a mis l'appareil maintenant pour étudier leur cerveau. Ils ont constaté les gens de l'autre côté ici, leur cerveau était intact. Mais de l'autre côté ici, ils ont constaté la matière grise. Matière grise. Donc la matière qui se trouve au cerveau, qui permet à l'homme de réfléchir, de prendre même des décisions, de réfléchir dans d'autres histoires. Et donc ça diminue. Donc au fur et à mesure, il regardait ça. Leur cerveau maintenant, c'était le cerveau n'avait pas le temps de respirer. Donc le cerveau est en train de fonctionner. Pourquoi ça? Selon les études, lorsque l'homme est excité, tout le sang descend sur son corps. Et qui dans tout ce sang, tout le sang du corps descend sur son cœur. Donc tout le sang du corps descend sur son corps. Maintenant le cerveau reste vide. Donc lorsque ces gens-là sont en train de regarder ça, tout le sang descend dans son corps. Donc le cerveau reste la matière reste maintenant comme ça. Matière et la matière maintenant, il n'y a pas le temps de fonctionner. Maintenant, la matière grise commence à diminuer. Matière grise diminue. Ils ont constaté ça. Ils ont dit, Balobi, non, ce n'est pas bien que les gens puissent regarder les films pour nous gaffer. C'est leur matière grise est en train de diminuer. Matière grise, à tel point qu'un jour, ils vont devenir des fous. C'est pourquoi nous voyons des jeunes gens en train de prendre des drogues. C'est un chercheur qui est en train de dire ça. Que Dieu vous bénisse. Même la science est en train de donner Branham. Même la science. Et la science. C'est pourquoi les gens deviendront totalement des fous. Pourquoi ils vont devenir des fous? Même dans la pyramide d'Enoch, Enoch avait prophétisé que dans les derniers jours, les gens vont marcher la tête en bas et pieds en l'air. Quoi donc la folie? Enoch avait déjà vu ça. Enoch avait parlé de ça. Les gens dans les derniers jours marcheraient la tête en bas, les pieds en haut. La folie. Pourquoi la folie? Parce qu'en 1900, ils ont pris la décision de déshabiller les hommes, de déshabiller la femme. Et que la femme marche nue, c'est ça là qui va détruire leur cerveau. Ils vont devenir complètement des fous. Même dans l'église, la folie va entrer. Même dans les messages, la folie va entrer. La folie partout. Pourquoi? Les gens sont en train de voir la nudité. Les gens sont en train de voir la nudité. Même le pasteur a peur de prêcher ces choses. Mais il a la force de prêcher le mystère. Branham dit le mystère réjouit le cœur. Le vin aussi réjouit le cœur. Il n'y a pas la différence, non? Mais ça, c'est en train de toucher les plaies. Nous sommes en train de tirer. Nous sommes en train d'enlever la saleté. Que un chrétien ne peut pas pratiquer la fellation. Non. Ça c'est l'enfer. C'est Sodome sur la terre. Jésus avait déjà promis. C'est la sodomie. Même dans l'église, ils n'ont pas la force de prêcher ça. Mais nous avons la force. On va secouer ça. Faire sortir ça. Que nous sommes le peuple saint. Il y a un endroit approprié. Ou plutôt des sauterelles avec des cheveux
comme celle des femmes. Tope ma banki bazaba suki lokoba suki ya basi. Et dedans comme celle de lion. Pe minoko ya kosi. Oh, le monde sera complètement totalement défou. Moki le koza pena mobima ngoto maboma. On en est qu'à un degré maintenant. Mais il y arrivera un temps. Oh, c'est pourquoi Branham, je vais vous lire ça. C'est pourquoi on va lire ça. Mes frères et sœurs, nous sommes à l'âge de la folie. Toi, une chrétienne, tu es en train de porter les lances frontales. Lances frontales. Ce sont des souterraines. Attendez, nous allons lire ça. Ce sont des souterraines. Toi, tu vois, c'est une femme. C'est une fille. C'est une souterraine. Elle vient de l'enfer. C'est une souterraine. Elle vient de la cinquième dimension. Elle se retrouve sur la terre. L'as frontale. Donc là, j'ai pas de. Prenez la scène comme ça. J'y vais quand il ne remonte le cœur toi. Tu vas comprendre ça aujourd'hui. Oh, que Dieu me donne le temps. Oh, il nous faut la gloire de Dieu. Il nous faut la venue du Seigneur Jésus. Pour ces choses ici. La folie. Il nous faut la venue du Seigneur. Il n'y a pas moyen d'arrêter ça. Parce que nous sommes entourés de ça. À la télévision et là. Dans la parcelle est là. À l'avion est là. À l'aéroport est là. À l'aéroport, mes frères. Beaucoup de gens sont là. La femme et l'homme. Moi, c'est mon bateau. Personne. Devant les gens. Comment on va arrêter ça? Ce monde ici ne nous appartient pas. Jésus lui-même avait déjà prié. Moi, je ne suis pas dans le monde. Eux aussi ne sont pas dans le monde. Paix, réserve-les du malheur. Même Jésus, il connaît que dans les derniers jours, il n'y aura pas moyen d'arrêter ça. Le seul espoir, c'est la venue de Jésus. Moi, je crois que Jésus est venu. Jésus est venu sous forme du Saint-Esprit. Mais Branham ici en 65, il attendait la venue physique. L'ange avait dit de la même manière qu'il avait monté de la même manière. Je crois qu'il est sur la terre sous forme du Saint-Esprit. Je crois qu'il s'est installé à Branham. Je crois qu'il entrait dans le corps de Branham. Mais j'attends aussi la venue physique. Ici, c'est à 65. Branham dit l'espoir de l'humanité. C'est la venue de Jésus. Dites Amen. Je me sens bien. N'adore ma mes frères, j'ai souffert dans ma vie. Parce que l'avenir, les discussions de l'avenir ici. Ça des fois ça a dérangé ma foi. Et tout ça après qu'on n'y m'a pas. J'ai prié pendant 6 mois pour cela. N'abondez ça dans mon toba pour nango. Pendant 6 mois. Ça dans mon toba. Parce que je disais à Dieu Seigneur. Pendant ça colo. Je ne veux pas se perdre. N'aligite na bunga. Tu sais que Seigneur dans mon cœur. J'aime la parole. Mais je ne vais pas aller en enfer. Mais aide-moi dans ces dossiers. Mes frères, après 6 mois, les écritures commencent à venir. Les écritures. Je vais lire ça. J'ai la réponse. Je lis ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Même à 65. Branham lui-même attendait la venue. Il nous faut la venue du Seigneur Jésus. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut la connaissance. Il nous faut la présence du Dieu vivant. Jésus a dit dans Saint-Marc. Je saute un peu ça. Le soleil s'élève à l'est. Se couche à l'ouest. La civilisation est allée dans le même sens que le soleil. Elle a traversé 3 étendues d'eau. 3 formes de baptême. Oh oui. De la
l'Asie en Europe. De l'Europe en Angleterre. De l'Angleterre aux États-Unis. Maintenant, nous sommes revenus au droit du départ. Nous sommes ici cet après-midi. Sur la côte ouest. Là où la barrière du péché et toutes les puissances des ténèbres s'accumulent ici. Ces films. Ces films, ces spectacles télévisés, les hommes qui s'embrassent, là, ce qui empoisonne l'esprit des jeunes filles. Lorsque quelqu'un voit les gens s'embrassent, la frère Branham me dit, ça empoisonne l'esprit des jeunes filles. Dites amen. Dites amen. Lorsque toi tu regardes, les gens s'embrassent, ça empoisonne déjà ton esprit. Savez-vous qu'un homme qui embrasse une femme est moralement tenu de l'épouser? C'est un acte sexuellement potentiel. C'est vrai. Certainement. Que dans les lèvres d'un homme se trouvent des glandes masculines. Les glandes féminines. C'est pourquoi Kinsey dit. Il dit que ici, c'est une sexe. Pourquoi? Il y a des glandes ici dans la bouche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, ça c'est un primérien qui est en train de nous enseigner des choses très profondes pour que nous puissions fuir l'impudicité, que nous puissions fuir la prostitution. Nous les chrétiens du message, on ne peut pas se donner de baisse. Pourquoi? C'est un acte sexuel. Qui sait approuver ça? Qui sait approuver ça? On ne peut pas s'embrasser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, la Bible dit, donnez-vous les saints baisers. Donnez-vous les saints baisers. Les amis de Tona. Je voulais donner l'exemple, mais on passe. Donc, nous dans les messages, la sexualité avant le mariage, on ne peut pas faire ça. C'est un péché. Ça restera toujours un péché. Qui sait, il faut pratiquer la sexualité. Si tu arrives à 16 ans, tu ne pratiques pas la sexualité, tu vas tomber beaucoup de maladies. Ça, c'est la sorcellerie. Nous, nous sommes là les chrétiens. C'est même Dieu. Pendant que Marie était enceinte, Marie avait la grossesse. Dieu avait paralysé le désir de la chair de la corps de Marie. Il a paralysé le désir de la chair de la corps de Joseph. Joseph n'a pas touché le corps de Marie pendant la grossesse de Joseph. Frère Bernard me dit ça. Que Joseph, pendant la grossesse de Joseph, il n'a pas touché le corps de Marie. C'est même Dieu qui a paralysé ce désir-là. Il est encore le même Dieu qui est en train de travailler encore. Donc la sexualité avant le mariage, c'est une abomination. Ça restera toujours l'abomination. Oh, donnez-nous un peu de bise. C'est mon ami de l'école. On a grandi ensemble. Tu te touches un peu comme ça. À l'université. À l'université. À l'école, vous êtes en train de se toucher. Paul dit, il n'est pas permis à l'homme de toucher une femme. Il n'est pas permis à la femme de toucher un homme. C'est ça le message. C'est ça le message de Branham. Tu n'as pas le droit de toucher une fille. Au moins que ce soit ta femme légitime. C'est ça le message de Branham. Tu ne peux pas donner à un jeune homme les bis. Pourquoi? Parce qu'il y a des
attirante sexuelle ici. Ici. C'est Branham qui dit ça. Qui sait aussi a dit ça. Qui sait pas l'obiango. Mais dis-moi un peu. Qui sait lui l'homme de la science. Qui sait la science. Il a prouvé. Il y a des glandes sexuelles ici. Na, bangenge, oh Mbota Bamindele. Oh Mbota Mindele. Même Mbota Mindele peut bonjour. 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 Mbota Mindele. Bonsoir. 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 Na le bien on a mon biso. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je pense que ça entre déjà. Tu ne peux pas tomber avec un jeune homme avant le mariage. Il n'a pas le droit de toucher ses seins. Même ton ventre, il n'a pas le droit. Même la sœur n'a pas le droit de voir tes cuisses. Avant le mariage, non. Ça, c'est du paganisme. Ces histoires-là ont commencé déjà depuis longtemps. En Égypte, au Canaan, les Jébusiens pratiquaient tous ces histoires-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Des sauterelles maintenant. Ma barque ici, quand on commence. Apocalypse chapitre 9. Et moi, c'est le bois. Comment les sauterelles vont s'habiller? Denis, ma banque va rouler. Des sauterelles. Ma banque. Oh Dieu. Oh Nzam. Nous sommes en train de voir les prophéties sont en train de s'accomplir. Dans nos propres yeux. L'épouse du Seigneur réveillée. Le cinquième ange. Sonnant de la trompette. J'ai vu une étoile qui tombait, qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme. Il monta depuis une fumée. Comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée. Des sauterelles sortir de la fumée. Se repentir sur la terre. Il leur fit donner un pouvoir, le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. C'est écrit aussi chez vous comme ça. C'est écrit aussi chez vous comme ça. On a donné aux sauterelles le pouvoir. Il leur firent dit de ne point faire le mal à l'herbe de la terre. Aucun de verdir ni aucun arbre. Mais seulement au qui? Kananani? Kakabato. O bazangi ndanga yanzambi. Or déjà en Apocalypse chapitre 7. On nous a dit qu'un ange a arrêté la guerre. Pourquoi? Parce qu'il veut maintenant sceller. Mais ici, à l'Apocalypse, des sauterelles sont sorties. Quand est-ce qu'ils sont sortis? Après 1900. Branham a vu ça dans la, lorsque son ami l'a fusillé au pied. Il a vu ces sauterelles là-bas en enfer. Tu verras ces sauterelles maintenant. Ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avait pas les sceaux de Dieu. Il leur fit donner non de les tuer mais de les tourmenter pendant 5 mois. Les tourments qu'on cause étaient comme les tourments que causent les scorpions. Quand il piquait un homme en ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Ils ne les trouveront pas. Ils désireront mourir. La mort fuira l'eau. Ces sauterelles, ressemblent aux chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or. Sur leur tête avait quoi? Quelque chose comme une couronne. Qu'est-ce
que vous portez sur vos têtes là, des mèches, comment on appelle ça, des cabelos, des lances frontales, toutes ces histoires là. Écoutez. Et leur visage était comme un visage d'homme. Vous allez voir bientôt ça, je vais mettre les images. Vous allez vous-même voir. Comme notre prophète plairait. Écoutez. Elles avaient les cheveux comme les cheveux des femmes. Leurs dents étaient comme les dents des lions. Elles avaient des cuirasses de fer. Le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards. Comme les scorpions. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Donc, le pouvoir était là. Sur la queue. Pour faire souffrir les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu. C'est pourquoi toi, Initié, tu portes une jupe pour faire montrer seulement derrière ici. J'ai vu même des seins. Lorsqu'on me montre des photos Facebook, donc elle prend des photos, elle montre la queue. Non, les sauterelles, c'est là qu'elle avait le pouvoir pour faire souffrir les hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Mes frères et sœurs, après 1900, beaucoup de prophéties se succèdent. Toutes les femmes cherchent toujours la queue. Toutes les femmes, même des sœurs, cherchent la queue. Aujourd'hui, avec la science, la femme qui n'a pas la queue, elle a la queue. Écoutez. Est-ce que vous écoutez? Réveillez-vous. L'épouse du Seigneur. Écoutez. Elle savait de quai armé de dard. Comme les scorpions. C'est dans leur cœur qu'avait le pouvoir de faire du mal aux hommes. Écoutez. C'est toujours elle. Au féminin. Verset 11. Elle savait sur elle comme roi. L'ange de l'abîme. Comme en hébreu. Abaddon. En grec. Apollyon. Donc, ces sauterelles ici. Leur chef. Ils ont leur chef. Satan le diable. L'émission de ces sauterelles faire souffrir les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu. En disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur les grands fleuves Euphrate. Les anges qui étaient liés là, déliez-les, qu'ils sortent, qui soit sur la terre. Verset 19. Car le pouvoir des chevaux était sur leur bouche. Et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents. Ayant des têtes. C'est avec elle qu'elle faisait du mal. Donc, dans l'Apocalypse chapitre 9, nous avons deux catégories de sauterelles. D'autres sauterelles, elles ont des queues comme des scorpions. D'autres catégories de sauterelles, elles ont la queue comme les queues des serpents. Mais elles ont toujours le même pouvoir. Le même pouvoir. Des sauterelles sont sur la terre. Toi, une fille de Dieu, tu es en train de souffrir ces sauterelles qui sont de la bume de l'enfer, qui ont quitté l'enfer. Ils sont sur la terre. Comme Il a enlevé ça. Toi aussi, la fille, il enlève ça.
Donc tu es en train de souffrir les souterrains. Tu es en train de souffrir les souterrains. Comme elle avait porté la jupe fente. La jupe fente. Jusqu'ici. Si elle fait comme ça, ici ça se voit. Elle, c'est une sauterelle. Elle vient de l'enfer. C'est pourquoi, faites attention avec les habits que vous portiez. Tu vas devenir une sauterelle. Nous sommes dans la prédication être conduit. Il a prêché le 7 décembre 1965. 17 jours avant sa mort. Écoutez votre prophète. Maman Georgette, écoutez votre prophète. Maman Georgette, yoka musakona bino. Oh Dieu. Oh Nzambe. Laisse-moi m'en aller. Tikanga nakenda. Seigneur. Kolo. Ne me laisse pas. Tikanga ite. Jésus. Yes. Laisse-moi aller avec toi. Tikanga kene longona yo. Père. Tata, je n'aimerais pas rester ici sur la terre pour voir toutes ces tribulations. Je n'aimerais pas rester ici dans cette folie. Je n'aimerais pas rester ici quand il y aura des spectacles hideux, des gens qui vont perdre la tête. Nous voyons des hommes qui cherchent à agir comme des bêtes. Des choses hideuses. Seigneur, Kolo, laisse-moi aller avec toi. Je n'aimerais pas rester ici pour voir des choses hideuses. Écoutez, Boyuka. Oh mes frères et sœurs, oh, au milieu de nous, Nakatabiso, nous avons des sauterelles. Mon frère, faites attention. Mabakeba. Des sauterelles sont ici sur la terre. L'Apocalypse 9 s'est accompli après 1900. De ce que nous voyons ici, il y a d'autres femmes, des sauterelles. Ma banque. Que Dieu nous aide. Zambasungabiso. Que Dieu nous aide. Zambasungabiso. Nous voyons des hommes qui cherchent à agir comme des bêtes. Ressembler aux bêtes. Et des femmes qui cherchaient à ressembler aux animaux. Avec des faces sur leur visage. Donc, des mascarades, on appelle ça quoi? Fond de teint. Des fonds de teint. Des rouges à lèvres. Des crayons. Oh Dieu. Oh, Zam. Ne me laisse pas voir ces choses. Laisse-moi m'en aller. Je n'aimerais pas rester ici. 17 jours. Avant sa mort. Qu'il a prié ça. Écoutez. Oh mes frères et sœurs. Oh. Que Dieu nous aide. Avec des phares sur le visage. Nous savons que ces choses doivent arriver. Ce qui a été prédit. Que des gens deviendront totalement et complètement des fous. Que les gens deviendront tellement fous que les sauterelles s'envelopperont avec les cheveux des femmes. Comme ceux des chats, des femmes. Pour hanter des femmes avec des dents comme des lions, des choses que tu as annoncées, la condition mentale des gens sera totalement ruinée. Nous voyons cela arriver maintenant même. Seigneur, aide-moi, donne-moi le bon sens. Jésus-Christ est notre sauveur. Et regardez maintenant ça. Regardez ça se passe sur la terre. Des sauterelles. Prenons, ne voulait pas voir ça. Il a dit, oh Dieu, laisse-moi m'en aller. Je n'aimerais pas voir des choses. Des choses hideuses. Regardez. Tala. Des sauterelles. Ma banque. Des sauterelles. Ma banque. Et toi, une fille de Dieu. Tu vas copier les choses du monde. Des sauterelles. Ma banque. Pendant qu'ils sont ici sur la terre. Des sauterelles. Ma banque. Toi, tu vois, c'est une femme. Yo, mais c'est une sauterelle. Ma banque. Elle vient de l'enfer. Ma des sauterelles. Ma banque. Regardez des sauterelles. Ma banque. Les visages comme un animal. Oh Dieu. Oh, laisse-moi m'en aller, Seigneur. Laisse-moi m'en aller, Seigneur. J'aimerais quitter la terre, Seigneur. Parce que je ne connais pas la fin de ma vie. Regardez. Un animal. C'est comme si elle vient de l'enfer. Un monstre. Un monstre. Elle est
mis des styles. A tient ma style. Et le fier de l'enfer. A outil fait l'eau. Des choses de Dieu. Leur a somme. Des sauterelles. Ma banque. Regardez. Tala. Elle a mis des ailes. A tient ma. Elle nous montre réellement le fier de l'enfer. Allez, maintenant outil fait l'eau. Regardez. Tala. Regardez. Tala pe namu. Comme mami wata. Comme mami wata penja. Et mami wata. Mami wata. Sauterelle. Il banque. Regardez. Tala. Mon homme est dit, bon, oh Dieu, bon, ne me laisse pas sur la terre. Je ne me laisse pas rester ici devant des choses idées. Mami Wata, Mami Wata, elle vient de l'enfer. Regarde même elle fait, comment elle fait sa bouche. Comme un démon qui veut avaler. Le quoi, démon, là. Ce sont des carnavals qui se passent. C'est au Brésil. Na Brésil ce ne sont pas des dessins. Et dans le bas des dessins, c'est un peu. C'est comme si la tête n'y sert pas. C'est comme si un tigre. Le quoi, tigre? Un léopard. Le quoi, léopard? Mais nous vivons avec les sirénateurs. Des sauterelles. Toi, une sœur. On a recherché le Saint-Esprit. Tu cherches encore des crèmes. Crème. Des crayons. Bah, crayon. Je ne sais pas de quoi. 48 heures. 48 heures. La peau va changer. 72 heures. La peau va changer. Pour bon mais des sauterelles. Ma banque. Elle vient d'où? Regardez encore. Dans les sous. Mais toi tu vois une femme. Yo, mon mais une sauterelle. Elle vient d'où? En enfer. Regardez. Dala. Sauterelle. Sauterelle. Elle vient de l'enfer. Outil fellow. C'est comme un poisson. Le quoi, elle vient de l'enfer. Outil fellow. Des femmes qui ressemblent à des animaux. Des femmes qui se ressemblent aux animaux. Avec le make-up qu'on met aujourd'hui. Regardez mes frères et sœurs. Regardez mes frères et sœurs. Branham a prié au Dieu. Je n'aimerais pas rester ici. Laisse-moi m'en aller avec toi. 17 jours avant sa mort. Après 17 jours, Dieu a exaucé sa prière. Pour qu'elle ne puisse pas voir ces choses. Regardez ces choses. Nos enfants vont vivre où? Nos enfants vont vivre où? Devant des sauterelles. Des sauterelles. Qui ont quitté l'enfer. Oh mes frères et sœurs. Apocalypse chapitre 9. C'est accompli. Regardez. Botala. Des femmes qui ressemblent à des animaux. Des animaux. Banyama. Comme un panthère. Le col appelé panthère. Comme un panthère. Comme, panthère. Comme la tête d'un panthère. Comme bouton panthère. Mes frères et sœurs. Bah, nous sommes arrivés à la fin. Donc, comme souka. Cherche l'huile. Le gama fouta. Écoutez votre prophète. Bon, comme ça, on a bien. Botane babongisi manzaka na ba. Regardez l'autre là. Ta mousouzoual. De ce côté ici. Regardez son visage. Regardez bien son visage. Regardez, mettez celui-ci. Et yo mon ensemble, tu es en train de copier les histoires. Oh, mais tu ne connais pas son origine. Oh, tu ne connais pas son origine. Oh grand conducteur de la vie éternelle. Oh mokambi mon nene. Nous acceptons ta promesse ce soir. Ton dimie la kan on a pourquoi lelo. Père, tata, je plaide pour ces gens. Nazo lobela pona batoyo. Je plaide pour chacun d'eux. Nazo lobela pona moko moko na bango. Au nom de Jésus-Christ. Na komba Yesu Christo. Je te prie Christ. Na bonde lo Christo. Les fils de Dieu entrent dans leur cœur. Seigneur, Kolo, qui nous modèle, Papa Bisso, qu'il fasse de nous des nouvelles créatures. Jésus-Christ. Accorde-les, Seigneur. Salayango tata. Nous allons nous tenir debout. Totelema. Je ne peux pas parler des habits Nagotobatina Bilamba sans parler des sauterelles. Vous avez bâti dans ma banque. Sans parler de la quatrième vision. Kozanga kolobela musanda ya minei. Sans parler de la cinquième vision. Kozanga kolobela musanda ya mitano. Mon frère et ma sœur. Ndekonanga mwasi mobali. Il y a des choses maintenant sur la terre. Ezana makambo na mokili oyo. Ma sœur. Ndekoya mwasi. Les choses que tu es en train de suivre. Makambo yo zolanda. Peut-être tu ne connais pas son origine.
Mais ça vient de l'enfer. Toi, tu n'es pas une sauterelle. Les choses que tu es en train de copier, ce sont les histoires des sauterelles. Elles ont quitté l'enfer. Elles sont maintenant ici sur la terre. Pour tuer les hommes. Pour faire souffrir les hommes. Qui n'ont pas les sceaux de Dieu. Toi aussi, mon frère. Prépare ton âme. Ce n'est pas que de regarder. Ce sont des sauterelles. Qui quittent l'enfer. Pour nous détruire. C'est pourquoi il est temps de nous préparer. Il est temps de se préparer. De s'habiller comme une chrétienne. De s'habiller comme une véritable chrétienne. Je ne sais pas. Mais je ne crois pas que toi tu viens de l'enfer. Mais je crois que tu viens du ciel. Un jour tu vas rentrer dans votre patrie. Que les choses de ce monde ne puissent pas détruire ton âme. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Rana m'a plairé. Je n'aimerais pas rester ici. De voir des choses hideuses. Des sauterelles. D'autres habits. Font des femmes comme des catéches. Que Dieu nous aide. Il y a des habits qui font des femmes comme des animaux. Comme des chats. Tu peux prier pour ton âme. Tu peux courber ta tête. Pendant qu'on est en train de jouer ici. Tu peux commencer à prier pour ton âme. Tu peux commencer à prier pour ta vie. Il n'y a personne qui peut prier mieux pour ton âme. C'est toi-même qui peux prier mieux pour ton âme. Ici sur la terre, nous avons des sauterelles. Elles sont ici sur la terre. Prions tous le Seigneur.